Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là au Chat Noir où j'ai d'autres souvenirs que des souvenirs de rencontres littéraires, je pense comme vous tous. Je suis ravie des différentes utilisations de ce lieu et spécialement de celles qu'on en fait ce soir. Je suis ravie de vous rencontrer, Cécile Coulon, parce que je vous ai lu avant de vous connaître. C'est la première fois qu'on se voit ce soir. Et je suis très contente aussi d'être là pour parler de poésie parce que je suis particulièrement attachée à la poésie et on n'a pas beaucoup l'occasion d'en parler, c'est vrai. Dans mes émissions non plus. C'est très rare que je reçoive des poètes, tout simplement parce qu'il n'y en a pas énormément aujourd'hui. Et je suis très heureuse de recevoir de plus une jeune poète, puisque vous avez 28 ans, Cécile Coulon. Je pense que vous en avez un peu marre qu'on vous dise toujours que vous êtes jeune. Ce qui est marrant, c'est que les gens qui me disent « je pense que vous en avez un peu marre », ils me l'ont dit juste avant. À chaque fois, c'est ça. Mais en fait, ça se trouve, je n'ai pas 28 ans. Ça se trouve, je suis très bien conservée. Peut-être. Je préfère me dire ça. Vous me donnerez l'adresse de votre chirurgien esthétique. On est ici donc pour parler de poésie et pour parler en particulier d'un recueil que vous venez de sortir au Castor Astral, très jolie maison d'édition, qui s'intitule Les Ronces et qui est le résultat d'une expérience, en fait. Et j'aimerais que vous me racontiez en quoi consistait cette expérience. Alors, cette expérience, elle part d'une conversation que j'ai eue avec des gens quand j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. J'écrivais des poèmes. Ces gens m'ont dit, mais en fait, publier de la poésie en France, déjà, c'est compliqué de trouver une maison qui a envie de te publier. Mais même si tu trouves une maison, ce n'est pas parce que le livre est édité qu'il trouvera son lectorat. Je pense qu'en fait, les gens voulaient juste me dire que ce que je faisais, c'était pas bon et qu'ils osaient pas parce qu'ils étaient un peu élégants. Donc je me suis dit, d'accord, je vais pas envoyer, ça sert à rien, mais je vais essayer d'utiliser Facebook. C'était pas encore ringard à l'époque, Facebook. Il y avait beaucoup c'est ringard, de... c'est vrai. Il paraît. Enfin, je sais pas, c'est des petits jeunes qui m'ont dit, voilà, merci. C'était pas encore ringard à l'époque. Donc j'ai mis en ligne des poèmes en me disant. Voilà un espace d'expérimentation littéraire, d'expérience littéraire. Si sur un réseau social où les gens ont plus l'habitude de mettre leurs photos de vacances, la photo de ce qu'ils ont mangé ou ce qu'ils pensent de la politique en France, si les gens arrivent à s'arrêter pour lire un poème, sans doute aurais-je réussi à capter une émotion vive en eux. Et c'était vraiment l'expérience est partie de ce constat-là, de me dire, je vais poster de la poésie là. Où on doit poster tout sauf de la poésie. Alors, d'une part, c'est pas du tout moi qui ai eu l'idée parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui le faisaient avant moi et qui l'ont fait après moi. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que d'année en année, j'ai dû mettre le premier poème peut-être en 2011 ou 2012. D'année en année, il y a eu de plus en plus de lecteurs et d'abonnés à cette page autour de ces poèmes, notamment. On est arrivé à 15 000 à peu près, je crois, en 2018. 15 000, hein. Plus tous ceux qui s'abonnent pas mais qui viennent lire. Voilà, ça m'énerve, ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme les gens qui ont des comptes sous-marins sur les réseaux sociaux pour aller voir ce qui se fait chez les autres, pour pas qu'on les voit eux. Voilà, comme les gens en face, là, que j'ai en face de moi, par exemple. Mais je comprends ça, moi aussi, ça m'arrive de faire ça. Mais, c'est du vécu, ça. Oui, c'est du vécu. Bah oui, mais quand on se fait larguer, on aime bien savoir ce que fait l'autre. Sans être grillé. Pas de commentaire. Voilà. Il se trouve que, donc, on est arrivé à cette communauté de lecteurs, à peu près de 15 000 personnes. Et souvent, on me disait, mais comment on fait pour avoir les poèmes chez soi? Pour qu'ils ne soient pas éphémères, qu'ils ne soient pas noyés dans les autres publications. Et moi, je disais, bah, imprimez-les. Vous pouvez les imprimer. Enfin, je donne le droit absolu à tout le monde de les lire à d'autres. Ils sont publics du moment qu'ils sont sur publics. Facebook. Voilà, ils sont en plus, mon compte n'est pas privé. Donc, n'importe qui peut les garder. Et en fait, il y a eu une demande du livre qui était de plus en plus prégnante. J'ai trouvé ça assez rassurant qu'on demande à ce que le livre existe, mais je n'osais toujours pas envoyer les textes, d'une part parce que j'ai beaucoup de mal avec le refus de manière générale. J'ai beaucoup de mal à ce qu'on me refuse des choses, et aussi parce que mon éditrice de l'époque en roman, Viviane Ami, les avait, ces poèmes, et a toujours refusé de les publier. Alors je me suis dit, si elle qui publie mes romans refuse mes poèmes, ça veut dire que tous les autres derrière, c'est même pas la peine d'essayer. Pourquoi elle les avait refusés, juste ? Elle les avait refusés parce qu'elle les trouvait trop. Alors c'était pas ce, il y avait pas tout cela, hein. Trop juvénile. Je crois qu'elle m'avait dit qu'ils étaient pas assez solides. Il me semble que c'était ça la raison. Et donc je suis partie du principe qu'elle avait raison vu que c'est son métier.
Et donc, je les ai laissés sur les réseaux sociaux. Et en 2017, après le prix des libraires de Trois Saisons d'Orage, je discutais avec un ami qui est représentant en librairie et qui aime beaucoup la poésie et qui m'a dit « mais je pense vraiment que ça peut intéresser certains éditeurs ». Il pensait à trois éditeurs, il y avait le Castor Astral, Chêne, qui est une très très belle maison d'édition de poésie, et éventuellement Bruno Doucet, qui est une autre belle maison. Et j'ai envoyé 15 poèmes en tout au Castor Astral. Et ils m'en ont demandé plus, et voilà comment on en est arrivé à ce livre-là. Mais en fait, il se trouve que ce recueil, c'est la fin d'un processus, puisque ça, c'est 10 ans de poésie en ligne qui sont rassemblés dans un recueil de 160 pages. Ça veut dire qu'il pourrait y en avoir un autre ? Oui, il y en aura un autre. Alors l'autre, il sort en mars 2020. Ah bah, c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Ils ont déjà écrit. Oui. Et le poche de celui-ci sort en mars 2020, ce qui ne vous empêche pas d'acheter le grand format, évidemment. Et de vous le faire dédicacer à la fin de cette rencontre, ouais. Dont j'ai oublié de vous dire qu'elle durait en tout à peu près 1h30, mais comme on a déjà entamé la rencontre, là, on va parler encore toutes les deux jusqu'à à peu près 20h30. Et puis, je laisserai évidemment de la place pour les questions à la fin. À partir de 20h30 jusqu'à 21h à peu près, il y aura une demi-heure de place pour les questions. Donc, si vous en avez, essayez de vous en souvenir et puis je vous laisserai la place, promis. Il y aura aussi des lectures pendant cette rencontre parce que je sais que Cécile Coulon aime beaucoup lire ses textes. On s'est mis d'accord pour qu'elle en lise quelques-uns. On va en lire 3, je crois, extraits des Ronces. Je propose qu'on commence tout de suite par le premier parce qu'il parle de ce que c'est qu'un poème, justement. C'est donc un poème très court qui s'appelle « La partie ». Il y a des jours comme ça où je me demande si la partie est terminée ou si, au contraire, elle vient juste de commencer. Aujourd'hui est un de ces jours-là, sauf qu'il dure depuis 10 ans, déjà. Et je commence à trouver le temps long. En plus de ça, depuis ce matin, je me demande si un poème est le début ou la fin d'un énième chapitre. J'en suis arrivée à la conclusion suivante. Un poème, c'est quelque chose d'éphémère et joli, comme la signature d'un doigt sur la buée d'une vitre. Vous racontez beaucoup des histoires, Cécile Coulon. C'est votre truc de raconter des histoires, que ce soit dans vos romans. Le dernier, c'est Trois Saisons d'Orage. Et puis vos poèmes, c'est pareil. Vous racontez des histoires. Oui. On verra aussi tout à l'heure. Il y a d'autres histoires plus longues aussi. Parfois, celui-là était assez court. Ça nous amène à parler de ce que c'est que la poésie. Vous avez reçu, je crois, le prix Apollinaire pour vos poèmes. Oui. Et c'était assez compliqué parce qu'il y a eu aussi des polémiques autour de ça en disant mais qu'est-ce que c'est la poésie ? Est-ce que vraiment c'est de la poésie si on le met sur Facebook ? Vous l'avez dit avant vous et après vous. Il y a des gens aussi qui mettent des posts dont on ne sait pas vraiment au fond ce que c'est. Si c'est de la poésie, si c'est juste un petit texte qu'on a envie de partager avec les autres. Qu'est-ce qui fait que c'est de la poésie ? Alors ça dépend de quel point, de quel endroit on parle. Ça dépend si on parle en tant qu'éditeur, qu'auteur ou que lecteur. Pour moi, un texte est un poème à partir du moment où il touche son lecteur d'une manière radicale. Ce n'est pas du tout, en tout cas pour moi, une question de forme, de longueur, de rime. Je pense qu'il y a une radicalité dans la poésie, il y a une brutalité, peut-être même une forme de cruauté aussi, parce que, en tout cas, en tant que lectrice, moi je sais que j'ai été longuement, éternellement, je pense, bouleversée par des phrases simples. Et pour moi, le mot poésie s'applique dans ces moments-là où le monde autour s'éteint pour une seule phrase ou un seul paragraphe. Et là, il y a un côté torpille. Voilà, très bien. Torpille. Si vous me permettez, je réutiliserai ce terme quand on me demandera. Je vous l'offre. Merci. Ou déflagration. Voilà, c'est exactement ça. Ça nous amène aussi à parler de l'importance du contexte, parce que là, vos poèmes sont publiés dans un recueil de poésie, dans une maison qui publie traditionnellement de la poésie. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont différents dans ce recueil de ce qu'ils étaient sur Facebook ? Alors déjà, ils sont différents parce qu'il n'y a pas tous les commentaires qui suivaient. Voilà, et ça manque, ça serait drôle, parce que en soi, les commentaires étaient tout aussi poétiques. Voilà, d'une certaine manière, pas forcément au sens littéral du terme. Mais ils sont différents maintenant parce que le temps a passé dessus. Il y a évidemment l'aspect
rapide, efficace, voire un tout petit peu consommable du réseau social. Et je pense que pour moi, c'était une épreuve, ou en tout cas, c'était une grande marche à franchir en passant par Facebook, parce que je me suis dit, bien après les premières publications, je me suis dit, si le poème ou le texte ou la phrase passe cette épreuve de la rapidité, du consommable et d'une autre publication sur un autre mur qui est beaucoup plus intéressante, ça veut dire qu'il est voué à rester. Ça veut dire que dès le départ, il arrive à franchir le moment le plus dur, qui est retenir à la fois l'attention, la parole et l'émotion d'un lecteur, dans un endroit qui n'est pas du tout fait pour ça au départ, mais qui a été transformé par les auteurs. Comme Instagram aussi d'ailleurs, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes auteurs qui se sont emparés de la photo pour la remplacer par des textes assez courts. Et c'est vrai qu'ils sont différents, d'une part, parce qu'il y a ce support qui est différent, mais aussi parce que là, il y a 8 ans ou 9 ans de poésie qui sont rassemblés sur ces quelques pages. Donc pour moi, c'est extrêmement différent. Il y en a quelques-uns, je me dis, mais oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais bête. Ah là là. Oui, oui, oui. Et en même temps, je pense que c'est important qu'ils soient à l'intérieur pour montrer l'évolution de la langue, l'évolution des thèmes, l'évolution de la pensée. Mais oui, c'est différent parce qu'ils ne sont plus enfermés dans la cage virtuelle et temporelle qu'est Facebook. On parlait tout à l'heure du peu de poètes qui existent et qui écrivent aujourd'hui et qui sont publiés, surtout et lus. Je me demandais pourquoi la poésie faisait autant peur, finalement, au XXIe siècle. Est-ce que c'est parce qu'elle est enfermée dans des livres ou parce que moment que vous l'avez mise sur Facebook, elle faisait plus peur ? Il y a plusieurs choses. Moi, il y a quelque chose déjà en France qui est très particulier avec le mot poésie qui fait effectivement peur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lecteurs, si en librairie on leur dit « Tenez ce texte, il peut vous plaire », ça va. Si on leur dit « Tenez, ces poèmes peuvent vous plaire », ils le reposent tout de suite en disant « Je ne lis pas de poésie ». Et si on demande pourquoi, c'est parce que je comprends pas. J'ai peur de pas comprendre. Il y a un syndrome d'infériorité par rapport au genre qui est absolument terrible. Mais c'est voué à changer. Je ne sais pas si ça se passe uniquement comme ça en France. Quelqu'un a une... D'accord, ok. En Suisse, ça me rassure. La même chose. Ouais. D'accord, merci. Ouais. Mais il se trouve que... Par exemple, dans des pays, moi j'ai une partie de ma famille qui est au Portugal, et là-bas ils publient beaucoup de poésie, et il y a beaucoup de lecteurs, et c'est, enfin vraiment, dans le top 20 des ventes, il y a des recueils de poésie. C'est pas un genre totalement à part, c'est pas confidentiel, c'est pas marginal. Aux États-Unis, c'est la même chose. Donc il y a quand même quelque chose de très particulier avec la langue française, en tout cas, je pense. Donc les gens ont peur parce que de deux choses l'une. La première, c'est qu'on leur a demandé d'apprendre par cœur des poèmes à l'école qu'ils récitaient devant des classes alors qu'ils détestaient ça. Donc ça leur rappelle ces moments-là. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des figures tutélaires en poésie française qui sont à la fois tellement merveilleuses et tellement écrasantes parce qu'elles sont merveilleuses qu'elles ont eu tendance à effacer dans la tête des lecteurs le reste. C'est pareil pour la science-fiction. En science-fiction, quand on parle de science-fiction, tout le monde vous parle de Fahrenheit, tout le monde va parler de, je sais pas, demain les chiens, tout le monde va parler de Soleil vert, sauf que ces textes-là, ils ont 50, 60, 70 ans, mais ils sont tutélaires sur ce qui s'écrit aujourd'hui et on a peur d'aller dans ce qui est... Ils sont écrasants. Et pour la poésie, c'est la même chose. Et je pense que là où les auteurs peuvent renverser la vapeur, la machine, c'est quoi l'expression ? La vapeur ? La vapeur, on peut renverser la machine aussi si on veut. Mais c'est d'utiliser ces nouveaux supports qui s'adressent au plus grand nombre pour la dédramatiser. De dire, oui, il y a des figures tutélaires écrasantes, oui, elles sont admirables et il faut les connaître. Vraiment, moi je pense que de temps en temps, relire un poème de Victor Hugo, c'est très bien. Vraiment. Hein. Après, être obligé de le lire devant une classe et d'être noté dessus, non. Voilà. Mais les relire chez soi et de s'en imprégner, c'est d'une beauté affolante. Mais voilà, de s'emparer de supports qui ne sont pas faits pour ça, pour proposer des formes d'écriture nouvelles, c'est... Je pense qu'on... Pendant très longtemps, moi, je ne me suis pas permis de le faire, mais ce sera peut-être la manière de la dédramatiser aux yeux des lecteurs. Et je l'espère, vraiment. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes permis de le faire à un moment donné ?
D'une part parce que je voyais bien que c'était impossible de le faire en papier. D'autre part parce que pour moi, le déclic est venu des maisons d'édition américaines qui, notamment sur Instagram, il y a une maison qui s'appelle Button Poetry qui publie des poètes américains. Et eux, ils ont fait un truc très simple, ils ont fait des appels à texte en ligne, et donc n'importe qui pouvait envoyer des textes. Si le texte leur paraissait, fort, ils filmaient cette personne en train de déclamer, de lire ce texte, et s'il y en avait d'autres à proposer, ils les mettaient en ligne, et ensuite ils publiaient, ils faisaient la version papier du texte. Mais en fait, ils formaient un lectorat d'abord sur les réseaux sociaux, et une fois que ce lectorat était là, ils proposaient le livre. Et les livres sont très beaux aussi, enfin visuellement. Et alors, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs que j'ai découverts à travers cette maison. Je pense à un auteur qui s'appelle Rudy Francisco, je pense à Philippe Kay et à sa sœur qui s'appelle Sarah Kay, je pense à Andrea Gibbons. Et tout ça sont des gens alors, qui sont des poètes très reconnus aux États-Unis. Ils sont traduits. Et juste avant ces gens-là, il y a une poétesse qui est la plus, comment dire, la mieux vendue au monde, mais qui est pour moi sans doute la meilleure actuellement, qui s'appelle Rupi Kaur. Rupi Kaur, elle a commencé en ligne et moi j'ai été complètement renversée par son premier recueil qui s'appelait Lait et miel, qui parlait d'une manière extrêmement brutale, simple, sans être simpliste, et radicale, du corps des femmes, de leur place dans la société. En plus, elle est indienne, exilée au Canada, donc de cette double nationalité et de comment être une femme au milieu de deux pays, entre deux pays. Et il y avait chez elle, pour moi, tout d'un coup, elle avait ouvert cette porte à tous les jeunes auteurs qui avaient envie d'écrire de la poésie et de la proposer. Alors évidemment, Rupi Kaur aujourd'hui, comme personne n'avait fait ça avant elle, c'est une figure tutélaire de la poésie contemporaine. Et elle est extrêmement décriée, c'est-à-dire qu'elle est très lue, extrêmement lue, extrêmement vendue. Mais les chapelles poétiques établies avant elle la réfutent absolument. Donc on assiste à des petits jeux de lecteurs. C'est admirable, c'est mignon comme tout, ces débats que personne ne suit à part ceux qui écrivent. Vraiment, c'est assez drôle. Mais elle a en tout cas donné un très 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 grand coup de pied dans la fourmilière et elle a été suivie par tous ces auteurs qui sont des gens dont l'écriture m'est familière tout en étant à chaque nouveau poème renversante. Là, on est dans la tradition de la poésie américaine, hein, qui est encore toute une autre histoire, on y reviendra, parce que je crois que ça fait aussi partie de vos références et de vos influences. Mais je voulais revenir au contenu de vos poèmes dans Les Ronces. Déjà, le titre, vous avez mis du temps à le trouver. J'ai bien aimé comment vous expliquez ce titre, mais on va peut-être pas s'attarder là-dessus parce que vous l'avez déjà beaucoup expliqué, à moins que vous ayez envie de l'expliquer juste maintenant. Est-ce qu'on a la même explication en fait? Parce que... Moi, je vous ai entendu expliquer ça en disant que c'est à la fois ça fait mal, mais il faut aller chercher le fruit. Ça, c'est vrai. Il y a le fait que pour moi, les ronces, il y avait une espèce de métaphore absolue. Un poème, c'est une ronce. C'est quelque chose qui est, comment dire, qui paraît dangereux, qui vous fait mal, et en même temps, avec des ronces, on peut faire du miel, on peut faire de la soupe de ronces, c'est hyper bon, j'ai déjà goûté, essayez, c'est très bon. Et derrière les ronces, c'est là où on se jette pour aller chercher tout ce qu'il y a derrière. Et pour moi, un poème, c'est ça. Et il y a les murs aussi. Et il y a les murs, évidemment, enfin la confiture. Non, et après, il y a l'autre histoire du titre qui est que moi, j'aurais beaucoup aimé que le titre soit en fait le titre du premier poème qui s'appelle J'aimerais vous offrir des frites. Je trouvais ça bien d'appeler un recueil de poèmes, mais j'ai bien senti que d'un point de vue éditorial, tout le monde n'était pas de cet avis. J'aurais aimé appeler ça « Les frites et autres poèmes ». Pour une raison. Ça aurait été génial. Mais ça aurait été génial. Ben voilà, merci. Il se trouve qu'en fait, c'est extrêmement difficile de trouver un titre pour un recueil de poèmes. Comment rassembler autant de textes différents sous une seule expression ? Donc, je me suis dit, prenons le titre du autant premier et autre poème. Autant un truc absurde, les frites. Ouais, et alors pour moi, c'est pas si absurde parce que ça représente quand même 70% de ma diététique, donc attention quand même. Je suis pas née au bon endroit, j'aurais dû naître en Belgique. C'est ce que j'allais vous dire. Je pense. Et donc, les ronces, on s'est tous mis d'accord sur les ronces et c'est un titre que j'aime beaucoup maintenant. Je crois que j'ai fait un syndrome de Stockholm. C'est l'un des poèmes. L'un des poèmes du recueil. C'est pas votre préféré, mais non, voilà. Non, mais j'aime beaucoup ce titre, oui, maintenant.
Pour en revenir aux frites, justement, vous racontez des choses très personnelles hein, dans ces poèmes. Oui. C'est là où je voulais en venir avec le contenu des poèmes, parce que c'est peut-être la première fois que vous racontez quelque chose d'aussi intime dans un livre. Dans vos romans, ce sont des histoires. Je crois que pour chaque roman écrit, le leitmotiv de départ était ne rien écrire d'autobiographique, qu'il n'y ait absolument aucun aspect des personnages, des lieux qui me soit trop proche. Alors évidemment, on peut trouver des détails et se dire non mais là c'est pas vrai, parce que là, mais vraiment dans ce qui est de l'histoire en elle-même, de la lancée des personnages, de ne jamais aller chercher dans ces histoires personnelles. À l'inverse, chaque poème est un événement, est un détail, est une histoire qui m'est arrivée ou qui est arrivée à quelqu'un qui m'est proche et qui m'a demandé d'écrire un poème dessus. On m'a souvent commandé des poèmes. Donc il y a un tiers des poèmes dans ce recueil qui est un tiers de poèmes commandés, tout simplement. Et je crois que ça faisait suite à une nécessité, c'est-à-dire que je me suis rendu compte aussi qu'à un moment donné, j'étais capable d'écrire pendant de longs mois des histoires avec lesquelles j'entretenais une distance certaine, et à aucun moment je ne me permettais d'aller au cœur des choses. Parce que je ne voulais pas ennuyer mon lecteur, parce que je me disais ma vie n'est pas du tout intéressante pour faire un livre dessus, et je pense que c'est vrai. Il y en a qui font ça très bien en France, hein, des livres sur leur vie inintéressante. Moi, je ne sais pas faire ça. Non, mais il y en a qui le font très bien en plus, mais et je ne cite pas de nom parce que nous sommes filmés. Eh oui, voilà. Je n'ai rien dit. Voilà. En tout cas, je ne sais pas faire l'autofiction, par exemple. Je suis incapable de développer une histoire dans ce genre-là, dans ce qu'on appelle ce genre-là, même si je ne suis pas sûre que ce soit un genre. Je pense que tout livre est d'une certaine façon une autofiction, mais qu'on choisisse ce qu'on met de personnel dedans. Et chaque poème, la poésie est venue en renfort. Et tout d'un coup, je me suis dit, là, de toute façon, tu ne peux pas raconter autre chose que ce qui te fait trembler, que ce qui déborde de toi. Ça veut dire que la poésie, vous l'écriviez en même temps que vous écriviez les romans ? Toujours. Toujours. C'était la soupape. C'était complètement. C'était mon punching ball, quoi. Voilà, quand j'en avais marre. Parce qu'un roman, ça va être pour le premier jet, ça va être 1, 2 ou 3 mois d'écriture sur une histoire. Un poème, c'est une fulgurance en ce qui me concerne. Et ça peut être écrit n'importe où. Il n'y a pas ce besoin absolu d'être ailleurs, pas chez soi, dans une autre maison, dans un autre département. La poésie, ça peut être dans le train, ça peut être dans une chambre d'hôtel, ça peut être n'importe où. Et j'aime cet aspect nomade. Et le fait qu'elle soit aussi... Il y a un côté, oui, je disais tout à l'heure, radical et en même temps rigoureux. C'est-à-dire de dire, voilà, là, tu as besoin de sortir quelque chose. C'est maintenant et pas tout à l'heure et pas, c'était pas il y a une heure, quoi. Et je crois que cette nécessité-là me plaît maintenant. Au départ, ça me faisait un peu peur. Maintenant, ça me plaît. On lit celui des frites ? Oui. Qui est un peu plus long que le précédent, donc j'aimerais vous offrir... Une histoire vraie, oui, c'est ça ? Oui, une histoire vraie. Alors, cette histoire, je l'ai écrite parce qu'il y a 2 ans maintenant, j'ai acheté un appartement à Clermont-Ferrand. Je suis devenue propriétaire, mais à Clermont-Ferrand, donc ça veut rien dire. Hein, le prix d'un appartement à Clermont-Ferrand, c'est le prix d'une place de parking en banlieue parisienne, donc ça vous donne une idée de quel point je gagne bien ma vie avec mes livres. Bref. Donc, j'achète cet appartement et il se trouve qu'une fois qu'on fait les travaux, tout ça, et en fait, on s'est rendu compte avec ma colocataire que y avait à 500 mètres à la ronde au moins 12 magasins de kebab, enfin 12 vendeurs de kebab. Donc là, mes intestins m'ont pris un coup, franchement. Et c'est une histoire qui m'est arrivée un soir où je suis allée chercher des frites. J'aimerais vous offrir des frites. Ça a commencé à cette heure si particulière du soir où la fin d'un jour bouscule le début d'un autre. Je suis sortie sous la pluie, j'avais faim. L'orage déversait sa grêle chaude sur les volets battants. Personne ne marchait dans les rues qui suintaient jusque sur la place en contrebas où la fontaine débordait. D'habitude, des chiens osseux se baignent dedans, mais là, pas d'aboiement. Pas de sifflet, la nuit, la pluie, la chaleur. J'ai traversé. Un type m'a fait signe de l'autre côté, les 2 doigts sur la bouche entrouverte pour me demander si j'avais quelque chose à fumer.
J'ai lancé une main ouverte, battante, comme les volets, pour lui signifier que non. Et j'ai continué, le visage enfoncé dans un pull trop long, les cheveux pleins de cette odeur d'une journée qui n'en finit pas. Devant l'enseigne, une jeune fille en jupe rose et un type avec une coupe de cheveux qui rappelait les meilleurs moments d'Agnès Varda attendaient leur tour pour commander un kebab avec supplément fromage. La fille regardait l'écran plat fixé au mur qui diffuse des clips de pop américaine. Le gars a attrapé une bouteille de soda derrière lui en se retournant avec souplesse. Quand ils ont payé, le patron m'a lancé « Pardon pour l'attente !» alors que je venais d'arriver et ça m'a fait sourire. « Une barquette de frites avec du ketchup, ça marche, vous pouvez attendre à l'intérieur. » Alors j'ai attendu, debout contre le réfrigérateur devant les bacs de salade vides. C'est là qu'un homme, trempé jusqu'aux os, est arrivé. Je me suis poussée pour le laisser passer. Ses vêtements dégageaient un parfum de ciment et d'alcool bon marché. Ses cheveux ras, gris, retenaient l'eau comme la surface des champs à 4h du matin. Il a commandé. Au moment où j'allais payer mes frites, il m'a fixée avec des yeux plus ronds que des becs de flamant rose, la bouche molle des hommes fatigués qui boivent un peu trop et qui assument. Il m'a regardé longtemps et a bégayé « je ne sais pas quoi vous dire ». Il a inspiré un grand coup, comme si chaque mot lui arrachait la moitié d'un poumon. « Je ne sais pas quoi vous dire, mademoiselle. » Le type derrière le comptoir écoutait d'une oreille en remplissant les bacs de frites industrielles. « Vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit. » J'ai répondu en secouant mon pull. « Je ne sais pas quoi vous dire parce que je sais qui vous êtes. » La pluie faisait des sillons légèrement irisés en tombant de son crâne sur l'arête du nez. Je ne savais pas quoi dire non plus. Minuit n'était pas loin, je venais chercher de quoi tenir jusqu'au matin. Et ce type, parfaitement ivre et sain d'esprit, semblait sur le point de s'effondrer. « Je sais qui vous êtes. Vous écrivez des livres. Comment vous faites ?»« Comme je peux. » Il s'est donné une tape sur les genoux et puis d'un seul coup, des larmes, de la sueur, de la pluie qui vient de l'intérieur. Quelque chose d'humide et de sincère a voilé son regard, déjà noyé de solitude et de nuit bizarre. Il s'est tourné vers le type qui dépliait des barquettes oranges avec une précision de chirurgien dentiste. « Ah, je peux vous dire que je ne me suis pas mouillée pour rien, moi, ce soir. » Dans mon dos, le réfrigérateur ronronnait. Un léger sourire s'est installé naturellement entre mes fossettes. Sur le comptoir, mes frites étaient prêtes, bien empaquetées. J'ai sorti une pièce de 2 € et l'homme, tout mouillé, m'a dit « J'aimerais vous offrir des frites, si ça ne vous dérange pas. » J'ai soupiré et laissé ma pièce entre lui et moi. Puis j'ai tendu la main, il l'a serrée, « Merci monsieur. » Et je suis sortie mon baluchon de frites au poignet. Sur le chemin du retour, l'odeur caractéristique d'huile de friture a envahi mes narines, mes cheveux et mes vêtements. Je ne reverrai probablement jamais cet homme. En tout cas, pas comme cela. Depuis hier, je veux écrire sur lui parce que je me demande qui de nous deux, dans quelques mois, dans quelques années, sera trahi par l'image qu'il s'est construite du monde extérieur. Sera-t-on encore quelques-uns à se serrer la main à cette heure-ci du soir pour une barquette de frites tièdes et un coca sans glace ? Je voudrais que la poésie soit aussi naturelle à ceux qui m'entourent que l'émotion qui jaillissait cette nuit-là, devant cette place, avec cette facilité improbable des moments qui n'auraient pas dû être, qui furent tout de même mal fichus, débordant de grâce et de paroles impossibles. Comment faire un poème dans un kebab ? Merci Cécile Coulon. On en lira un tout dernier à la fin de notre petite conversation, juste avant que vous puissiez poser vos questions. Mais j'aimerais qu'on aborde maintenant... ce poème, il parle de ça aussi, il parle de cette notoriété d'écrivain que vous avez acquise aujourd'hui, puisque vous avez publié déjà 8 romans. Le premier a été publié à l'âge de 16 ans. Ouais. Les Ronces, c'est un recueil qui paraît après ces 8 romans, pour la première fois de la poésie. Mmh.
enfin, je ne sais pas si on peut dire pour la première fois, parce que la poésie est présente dans tous vos livres. Merci. Mais j'aimerais qu'on parle un peu justement de vos influences, de vos références. Et pour ça, on va plonger dans vos souvenirs d'enfance. On va aller peut-être dans l'ordre. Oui, bon, bah allons-y. Commençons par Stephen King. Ah oui, bah oui, oui. C'est compliqué pour moi de parler de lecture sans parler de Stephen King, parce que je pense qu'il fait partie des auteurs qui m'ont véritablement appris à lire. Moi, j'ai deux grands frères, dont un à qui un ami de la famille avait offert à l'époque, c'était une collection de poches noires avec un petit rond rouge. Je ne sais pas si j'ai lu ou les livres de poche, mais tous les Stephen King avaient les mêmes illustrations sur toute la série. Et il lui avait offert le coffret pour son anniversaire des Stephen King. Alors évidemment, je n'avais pas le droit de les lire. Et comme on m'avait dit que je n'avais pas le droit de les lire, je me suis jetée dessus. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir... J'étais en CE2 quand j'ai lu Stephen King pour la première fois. Très petite. Oui, mais j'adorais lire. J'adorais vraiment lire. Mes parents me lisaient beaucoup d'histoires, à moi et à mes frères. Je voyais beaucoup de films au cinéma et en cassette vidéo. Et j'écoutais beaucoup de musique. Et pour moi, la lecture était quelque chose de très naturel. C'était même quotidien. Donc, il n'y avait pas d'effort à faire pour lire. Par contre, pour écouter les gens, il y avait beaucoup d'efforts à faire. Mais pour lire, il n'y avait aucun problème. Et c'est vrai que ça fait partie de ces auteurs que j'ai lus de manière assez boulimique. J'adorais Stephen King, j'adorais ses personnages, j'adorais les lieux, ces endroits, les villes qu'il décrivait. J'étais capable d'être avec la lampe torche sous mes draps pour finir un livre, quoi. Sachant que ça me faisait très peur en plus. Enfin, j'étais pétrifiée. Il y a des textes entiers. Je me souviens d'un truc, c'est pas peut-être les plus connus, ça s'appelait les Tommyknockers de Stephen King. C'était en 2 ou 3 tomes. Et ça me faisait vraiment très peur, mais j'adorais avoir peur. J'adorais cette peur-là. Et après, quand j'ai lu toute cette série des Stephen King. À ce moment-là, J.K. Rowling a publié Harry Potter. Donc moi, je fais partie de la génération Harry Potter. J'ai grandi en même temps que le personnage. J'ai grandi avec à la télé les librairies qui ouvraient à minuit et qui se glissaient les gens se glissaient sous les grilles pour avoir un exemplaire, quoi. C'était dingue. Je sais pas si les gens se rappellent de ça, de cet engouement qu'il y a eu pour Harry Potter. Je trouve ça. On voulait savoir la suite. On voulait le prochain tome. Mais voilà, on voulait le prochain. C'était devenu un objet de chantage. Moi, je sais que mes parents, c'était tu as des bonnes notes à l'école. Et t'auras le grand format. Sinon, faut attendre le poche, quoi. C'était horrible. Non, mais c'est affreux. Il y avait vraiment un truc. Et je relisais les tomes plusieurs fois avant la sortie des prochains. J'ai adoré vraiment Harry Potter. Je remercierai jamais assez J.K. Rowling pour avoir créé cet univers, même si c'est la somme de plusieurs univers qui existaient déjà, hein, bien sûr. Mais vraiment, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Et puis à ce moment-là, moi je suis arrivée au collège, donc je n'ai plus lu de littérature française à part ce qu'on nous faisait lire à l'école, justement parce qu'on nous en faisait lire à l'école. Donc je me suis tournée vers la littérature et la poésie anglaise et américaine. C'est là que j'ai découvert Charles Resnikoff, qui est donc un auteur de fin 19e, début 20e aux États-Unis, qui allait dans les tribunaux, regarder les affaires en cours et qui faisait un poème pour chaque affaire qui était traitée. Et alors, la somme de toutes ces affaires judiciaires, juridiques, les deux, ça marche, oui, sont rassemblées sous le titre Témoignage, et c'est publié chez POL, c'est énorme, hein, je crois que c'est peut-être 600 ou 700 pages de poèmes dans les tribunaux, et ça m'a beaucoup, beaucoup marquée. Et c'est là que je me suis dit pour la première fois, donc un poème peut raconter, on peut raconter une histoire parfois terrible en une seule page. Et ça a été déclencheur de quelque chose chez moi. Et puis après, il y a eu Steinbeck, qui a été encore une révélation absolue. Je ne sais pas si ça se lit encore, les chroniques de San Francisco, de Armistide Maupin, je ne sais pas comment on prononce, à l'Auvergnate, voilà. et les chroniques de San Francisco, à l'époque, il y avait 6 ou 7 tomes, et ça a été là aussi un très grand moment de lecture pour moi. Vraiment, je vous invite à les lire parce que c'est beau, c'est une sorte de feuilleton sur des dizaines d'années dans le San Francisco des homosexuels, des travestis, des malades et tout ça avec beaucoup d'humour, avec énormément de poésie pour le coup. Et après tout ça, je suis arrivée. Je suis en train de faire les questions et les réponses. Vous avez remarqué. Je voulais en venir à vos 19 ans. Ah, voilà, on arrive, j'ai 19 ans, allez-y. Ouais. 19 ans, vous penchez sur un livre, un peu par hasard. Comment vous penchez sur les mémoires d'Adrien ? Comment vous tombez dessus ?
Alors non, je me suis. C'était pas les Mémoires d'Adrien. C'était Alexis ou le Traité du Vin Combat. Ah, c'était pas. C'était en tout cas du Ursenard. C'était du Ursenard, tout ouais. à fait. Et comment vous avez tout d'un coup entre les mains du Marguerite Ursenard après Steinbeck, Stephen King. Alors en fait, etc. je suis arrivée à Marguerite Ursenard par Sarraute. C'est pas Claude Sarraute. Nathalie Sarraute. Oh là, merci. C'est pas pareil. Ouais. Même si j'aime beaucoup Claude Sarraute. Elle est marrante aussi, Claude Sarraute. Oui, elle est hyper drôle, ouais. beaucoup plus que sa grand-mère. Oui, c'est ça. Son arrière-grand-mère ou sa grand-mère ? Sa grand-mère. Je ne saurais pas vous dire. Ouais. Sa mère ? Merci. Oui, donc elle est plutôt jeune que Claude Sarraute. Parce que moi, je la voyais chez Ruquier, donc si vous voulez, j'arrivais pas trop à faire le lien, mais c'est pas grave. Ça fait longtemps, ouais. Oui, moi aussi, j'ai vieilli. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, pour reprendre le fil, en prépa, j'étais en classe prépa, et on travaillait sur Tropisme de Nathalie Sarraute. Et j'ai adoré ce texte. Ça a été, je l'ai lu, relu, je l'ai saigné le bouquin tellement j'ai aimé ces paragraphes qui vous mettent à la fois très mal à l'aise, on ne sait pas de quoi ça parle, tout en comprenant qu'il se passe des choses terribles qui ne sont pas nommées mais qui sont décrites. Et tout d'un coup, j'ai été ramenée à la littérature française comme si elle m'avait attrapée par le col en me disant bon allez, t'es gentille. Tu vois, c'est bien. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Regarde un peu ce qu'il y a. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et par Nathalie Sarraute, en fouillant, en cherchant les auteurs, notamment, qui avaient publié au même moment, je tombe sur Alexis ou le Traité du Vin Combat de Marguerite Ursenard. Et là, je suis tombée amoureuse de Marguerite Ursenard, dans tous les sens du terme, parce que tout d'un coup, je me suis dit. Enfin, il y a eu un double effet qui se coule, c'est-à-dire que je me suis dit, après ça, qu'est-ce qu'on peut écrire ? Quand on a lu Marguerite Ursenard et qu'on écrit soi-même et qu'on commence à écrire, on se dit, c'est tendu quand même. Je vais peut-être faire autre chose. Voilà, je vais peut-être aller faire du fromage en Auvergne. Je serais peut-être mieux accepté. Non, c'était parce que c'était pour moi la perfection de l'écriture. Cette femme qui était à la fois si libre et si sévère et si rigoureuse dans sa liberté, et cette écriture mais qui virevoltante sans être légère, profonde sans être écrasante. Et je me dis, mais comment elle a fait avec des sujets, enfin, Alexis ou le Traité du Vin Combat, c'est écrit en 1932 et c'est l'histoire d'un jeune homme, Alexis, qui écrit à sa femme pour dire qu'il va la quitter parce qu'il est homosexuel. Et alors il y a une phrase à la fin qui est incroyable. Je suis sûre que vous la connaissez par cœur. Mais oui. Et il dit, je vous demande pardon, non pas de vous quitter, mais d'être resté près de vous si longtemps. Ça finit comme ça. Alors déjà, si vous avez quelqu'un à quitter, en vrai, vous envoyez ça par SMS, c'est parfait, quoi. C'est tellement beau que vous n'aurez pas de réponse et ça marche très bien. Non, c'est vraiment... C'est beaucoup mieux que non, mais c'est pas toi, c'est moi, je me suis trompée. Non, ça, c'est... Non, mais c'était fou. Et moi, quand j'ai lu ça, ouais, j'avais 19 ans. Et c'était d'une violence, d'une cruauté et d'une beauté. Et c'est là où je me suis dit, mais donc, on peut être à la fois cruel et beau et cruel. C'est possible, dans l'écriture et dans les thèmes. Donc, d'un côté, je me suis dit, mais c'est impossible d'écrire derrière. Et en même temps, comme c'était impossible de faire du Marguerite Ursenard, puisqu'elle a fait ce que moi, j'appelle des œuvres boucles, des œuvres qui sont inimitables, et qui continue bien après la mort de leur auteur. Et je me suis dit, bah, il faut que toi, fais ce que tu as à faire. Personne ne peut égaler Marguerite Ursenard parce que personne, de toute façon, n'a essayé. Donc, fais ce que tu as à faire et garde ça en tête, garde cette virevolte des mots. Et après, évidemment, j'ai tout lu de Marguerite Ursenard, mais je crois que le texte qui m'a le plus marqué, c'est Alexis ou le Traité du Vin Combat, et peut-être L'œuvre au noir aussi, que j'ai trouvé très très belle. Maintenant, l'ancienne maison de Marguerite Ursenard est devenue une résidence d'auteur. Et c'est vrai qu'après ça, il y a eu. Je me suis plongée en littérature française après Sarraute et Ursenard. Heureusement. Vous parliez de Resnikov tout à l'heure. Ouais. On va revenir à la poésie, parce qu'il y a eu aussi la poésie française. Oui. Notamment un poète qu'on a peut-être tous appris à l'école, en tout cas. Pour ceux qui sont un peu plus âgés que vous, peut-être. Je ne sais pas si c'était encore le cas quand vous étiez à l'école. Il fallait apprendre Jacques Prévert. Oui, moi, oui, bah oui, il dit ouais. Non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Uh-huh. C'était ça. Vous l'avez lu, vous l'avez beaucoup aimé. Alors, mais en il y fait, en a eu d'autres. Ce qui s'est passé, c'est que Prévert, moi, je ne l'ai pas découvert à l'école. Je regardais beaucoup de films quand j'étais gamine. Et il y en avait un, c'est Le Roi et l'Oiseau.
J'étais devenue obsessionnelle de ce film. Mais vraiment, mais quand je dis obsessionnelle, j'avais un problème. Mais j'avais un vrai problème avec ce dessin animé parce que je le regardais en boucle, en boucle, en boucle. Et je sais qu'il y a plein de choses que je ne comprenais pas quand j'étais enfant, mais je trouvais ça tout simplement beau. J'étais happée par la beauté de ce film. Et quand j'ai grandi, je me suis renseignée sur qui l'avait fait. C'était Paul Grimaud. La musique aussi me marquait beaucoup. Et c'était Jacques Prévert qui avait fait le scénario. Et c'est comme ça que j'ai découvert Prévert. C'était en achetant le scénario du Roi et l'Oiseau. Et j'ai compris qu'il était poète. Et donc j'ai découvert Parole, j'ai découvert Nantes, Barbara, enfin ces grands textes-là. Et après, par Prévert, je me suis plongée dans l'œuvre de René Guicadou, un autre poète. Ensuite, Jean Lancelme. Ensuite. Jean Follin. Follin aussi, bien sûr. Donc c'est vrai que Prévert, moi, m'a ouvert la porte de la poésie française pour moi. Et à côté de ça, j'apprenais bien sûr par cœur ce qu'on me demandait d'apprendre. Moi, j'aimais bien à l'école et surtout au collège. Ça ne m'étonne pas. vous nous amenez là au cinéma, en fait, au lien avec le cinéma. Oui. Vous vouliez faire du cinéma, en fait, à la base. Ouais, à la base, comme on dit. Oui, je voulais faire du cinéma. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait du matériel. Et comme moi, je voulais raconter des histoires, la manière la plus simple de raconter une histoire et la plus économique... Je ne suis pas auvergnate pour rien. En fait, je sais que c'est filmé, mais vous le mettrez pas en ligne. Vous le gardez dans les archives, mais le maire de Clermont, il va m'éclater, quoi. Et en fait, la manière la plus simple pour moi, c'était un cahier, un stylo, quoi, ou voire de m'enregistrer, parce que le cinéma, même, et j'adore encore. Et c'est vrai que j'ai fait des études de cinéma. On faisait des courts-métrages, on faisait du scénario, de la critique. J'adorais ça, mais je me disais, mais en fait, moi, chez moi, j'aurais jamais le matos pour faire ça. Sachant que tout ça, c'était avant les smartphones, avant tout ce qui est de très bonne qualité aujourd'hui. Pour petits trucs numériques qui peuvent filmer assez facilement. Il y a un petit moment déjà. Et donc, j'ai continué à aller énormément au cinéma, à voir beaucoup de films. Mais je n'ai pas, techniquement, je suis restée du côté de l'écriture simple, quoi. Voilà, ce qui ne veut pas dire que vos livres ne seront pas un jour adaptés au cinéma. J'espère. Parce qu'ils sont quand même assez cinématographiques. Ils sont très, mais je pense que j'ai gardé de cette formation cinématographique l'adoration de l'image et la capacité à illustrer en fait mes images, les images que j'ai dans la tête par des mots que je propose aux autres. Même vos poèmes, hein, parce que l'histoire des frites, ça pourrait être une scène de Tarantino. Oui, c'est vrai. Un peu moins violente quand même que Tarantino. Non, bah après, il faut imaginer la suite. Il peut se passer plein de choses, il faudrait qu'on l'appelle. Ouais. On a encore un tout petit peu de temps pour lire un dernier poème. Moins que vous pensiez que je sois passée à côté de... Oui, non, il y a encore quelque chose que je voulais ajouter à propos de l'économie. C'est le sport, parce que vous avez choisi de courir, qui est aussi un sport très économique. Oui, alors ça, c'est un sport qui est d'une liberté totale et qui coûte pas cher. Et dont vous ne pouvez vous passer. Vous ne pourriez pas écrire, vous avez dit, si vous ne couriez pas. Je pourrais pas écrire si je n'avais pas la possibilité de la course. Alors, en ce moment, je suis très embêtée, puisque je me suis fait mal au genou, donc je ne peux plus courir. Et alors, je crois que je dois être absolument emmerdante pour mon entourage, parce que j'ai ressenti ce que c'était les effets de l'absence d'endomorphine. Et j'avais l'impression d'être en cure de désintoxication. Vous courez 40 km par semaine. Un peu, oui, et ça c'est la moyenne basse, quoi. Et je pense que là mon corps m'a dit, en fait moi j'ai plus envie, quoi. C'est vraiment pas cool. Et donc s'il y a un rebouteux dans la salle ou un vétérinaire, n'importe. Hein, franchement, pour me remettre ça en place, c'est avec grand plaisir. Mais oui, la course à pied a toujours fait partie. Mais c'est comme l'écriture. Depuis assez jeune, je cours depuis que je sais pas, j'ai peut-être 9-10 ans, et sans faire partie de club ni rien. Et j'adore ça. Enfin, toute personne qui court, alors qui court sans chrono, sans rien, hein, sans toute la panoplie de... Vous avez d'ailleurs écrit un livre là-dessus, une petite éloge du running. Ouais. Et vous avez même entamé une thèse. Alors, je sais pas si c'est fini maintenant, mais je vais pas vous demander. Non, on va éviter cette question. On va repartir sur l'âge, si vous voulez bien. Sur les liens entre le sport et la littérature. Ouais. Et je pense surtout pour moi le lien entre sport et écriture, parce que pour moi, on écrit un roman comme on court un marathon. On y met la même force, la même énergie, on a les mêmes doutes, on a la même fatigue. Et le poème, ça serait plutôt un 800 mètres, pas un sprint, parce qu'il faut quand même 800 mètres, sans les... C'est mieux. On va faire un dernier 800 mètres avec le dernier poème. Donc le dernier, après, ça s'appelle... Place à vos questions. Difficile. C'est un poème que j'ai écrit pour parler de mon frère. Je veux te dire que c'est difficile de construire quelque chose de nouveau dont tu ne fais pas partie.
Ce n'est pas ta faute, simplement je ne suis pas assez solide pour nous porter, nous deux. Je veux te dire que c'est difficile d'admettre que je t'aime. Mon amour pour toi est tenace et silencieux. Nous nous ressemblons trop. Nous avons les mêmes façons d'être furieux, nous avons les mêmes façons de ne pas répondre, nous avons les mêmes façons de disparaître et nous sommes de la même manière, adorablement impertinents et si mignons et drôles, évidemment. Je veux te dire que c'est difficile de faire comme si tu n'existais pas. En vieillissant, je sais que mes peurs vont m'aveugler, que je serai paralysée d'angoisse, incapable de prononcer certains mots, incapable de revoir certaines personnes, incapable de m'abandonner à certaines émotions, incapable de tant d'actes qu'il faudrait un autre poème pour les lister tous. Alors j'écris ces choses-là pour le jour venu me rappeler que j'ai eu dans ma jeunesse la possibilité du langage. Je veux te dire que c'est difficile de t'aimer sans un mot, sans un geste tendre, avec cette flaque suppliante au fond des yeux et cette rage au bord des lèvres. Je ne retournerai pas dans nos moments. Maintenant que je suis presque une bonne bête domestique, tout ce qui se trouve de l'autre côté de la barrière me fatigue d'avance, et je regarde ce paysage un peu gris où soudain ton sourire m'éclabousse les soirs de très grande culpabilité. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure des questions, donc si vous avez une question, je vous invite à lever la main et je ne sais pas s'il y a un micro ou si... Il n'y a pas de micro, donc vous pouvez y aller, vous parlez juste un peu fort, donc on vous entend. Oui. Vous vous considérez une excessive ? Est-ce que je suis excessive ? Je pense que oui. Alors pas dans tous les domaines, heureusement, mais je crois que de manière générale, pour écrire, l'écriture est un acte excessif. Très excessif parce qu'il n'est soumis à aucun rendement d'aucune sorte, à aucune stratégie, et il ne répond qu'à un besoin vital. Donc oui, je dois être quelqu'un d'excessif, absolument. Oui. Je me demandais en lisant votre poème, pourquoi avoir choisi justement la forme du poème, parce que je me faisais la réflexion que si on enlève les vers, les retours à la ligne, oui, sous forme de petits textes, ça aurait fait des impressions tout à fait cohérentes. Tout à fait, ça aurait pu être des textes courts ou des mini-nouvelles, ou des paragraphes tout simplement. Il se trouve que j'ai utilisé cette forme de retour à la ligne en fait, tout simplement pour imposer un rythme de lecture. Aller à la ligne me permettait de marquer plus personnellement les moments ou les mots ou les détails qui me semblaient forts, qui me semblaient pertinents, et qui était pour moi, je dis bien pour moi, c'est pas forcément le cas pour le lecteur, mais qui était le plus chargé de sens et d'émotion. Mais vous avez raison, je crois que certains textes d'ailleurs ne sont pas sous forme, excusez-moi pour vous voir, hein. Certains de ces textes sont d'ailleurs sous forme de, comment dire, de paragraphes, hein. Il y en a un sur la course à pied qui s'appelle Courir, qui est en fait un long paragraphe, mais j'ai toujours... aimer utiliser la forme versifiée pour pouvoir imposer mon rythme d'écriture au lecteur. Une autre question ? Est-ce que pour vous, le fait d'écrire, c'est vital là ? Alors, oui, mais je pense qu'avant l'écriture, ce qui a été vital pour moi, c'est la lecture. On le répète souvent, mais je crois qu'il faut le répéter souvent, qu'avant d'écrire, il faut lire énormément. Et je fais partie des gens que la lecture a sauvé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un seul mauvais moment dans ma vie qui n'ait été apaisé, remis en question ou soigné par la lecture. Ça a toujours été, et c'est toujours, un refuge extraordinaire. Et de ce refuge-là naît l'écriture. Donc oui, c'est vital, mais avant tout cela, il y avait la lecture. Et vous écrivez tous les jours ? Alors, je n'écris pas des romans tous les jours. Les romans, ce serait plutôt 2 mois dans l'année. Par contre, les poèmes, ce serait 2-3 fois par semaine. Donc j'écris pas vraiment tous les jours. Mais je poste quand même des idioties sur Facebook. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme de l'écriture, mais c'est une manière d'écrire. Donc un petit peu tous les jours, mais véritablement 2-3 fois par semaine. Vous prenez des notes, vous avez... Je ne prends pas de notes. Je ne prends aucune note parce que j'ai essayé de prendre des notes. Et pour tout vous dire,
ça partait dans tous les sens, c'était pas forcément intéressant, et je me suis dit que c'est Fred Vargas qui m'a appris ça, qu'il fallait faire confiance au tamis de sa mémoire, c'est-à-dire, si on a une bonne idée, ne pas la noter, et si un, deux ou trois jours plus tard, on se souvient de cette idée, ça veut dire qu'elle vaut la peine d'être développée. Donc surtout, se faire confiance, et ne pas trop penser au carnet et aux petits crayons qu'on trimballe partout avec soi. Même s'il m'arrive d'avoir un joli carnet avec un joli crayon avec moi. Mais c'est vrai que pour moi, ça a plutôt été un piège de prendre des notes. Vu qu'au début, Facebook, ça vous a quand même poussé dans votre élan, ça vous a donné quand même du courage dans vos pensées, est-ce que, du coup là vous continuez, mais est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez totalement arrêter vu que vous êtes édité quand même, on peut quand même avoir accès à vos écrits hors Facebook? Tout à fait, alors c'est une excellente question et je me pose actuellement la question, mais comme... D'un autre côté, comme la poésie est née sur Facebook et que je la propose deux ou trois fois par semaine, et je sais aussi que tous ces poèmes ne pourront pas être mis dans le prochain recueil, donc si je ferme mon compte Facebook, ça veut dire que ces poèmes-là et le reste, tout ça part à la trappe, et j'aime qu'il reste une petite trace de ces textes, même s'ils ne sont pas publiés en papier. Et je pense aussi que par, je ne sais pas si c'est par respect ou même pour remercier un peu les lecteurs qui ont suivi sur la version papier, de continuer à poster ces textes en ligne, c'est pour moi une façon de dire, voilà, vous m'avez fait confiance, je vais pas la jouer, bon, ça y est, le texte il est sorti, vous l'avez acheté, bah, maintenant c'est fini, j'enlève tout et vous attendrez. Maintenant il faut payer, quoi qu'il arrive, et je sais pas. Donc je suis pas tant si ouverte que ça, finalement. Mais je pense que je vais continuer. Par contre, c'est vrai que je me pose la question, par exemple, de poster moins souvent, parce que ça prend de la place, vu qu'il y a de plus en plus de gens autour qui envoient des messages et qui demandent des choses, j'ai pas forcément le temps de répondre à tout. Donc je vais pas arrêter, peut-être que je vais espacer les publications. Il y avait une question juste là. C'est pas une question, c'est une page publicitaire. Oui, pour un autre Auvergnat. Oui. Qui s'appelle Jean-Pierre Siméon. Ah oui, bon, on se connaît bien avec Jean-Pierre Siméon. Je suppose bien, Castor Astral. Ah, nous habitons à 450 mètres. Il a publié un petit bouquin. Par rapport à ce qu'on disait sur la poésie tout à l'heure, qui est un petit bijou, ça s'appelle Aïe, un poète. Et il a publié ça chez Chen, et je pense que ça va être dans les mains de tous ceux qui disent qu'ils se méfient de la poésie. Donc Aïe, un poète chez Chen, par Jean-Pierre Siméon. Retenez, notez, hein, avec Roupicor, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Roupicor. Il y a son nouveau recueil qui est sorti en France, là, qui s'appelle Le Soleil et ses fleurs. Qui est aussi bien que le précédent. Vraiment, je vous invite à lire parce que c'est une merveille. Vraiment. Oui, donnez envie. D'autres questions? Si vous ne faisiez pas autant de sport, mangeriez-vous autant de frites? Franchement, non. Non, moi je fais partie des gens qui ont commencé à faire du sport parce qu'ils adoraient bouffer. Donc voilà, le problème c'est que là, ne pas courir me fait que je ne mange pas comme d'habitude, c'est-à-dire que je mange comme une personne normale. Voilà. Mais ça c'est juste pour faire un style. Mais donc là j'ai remplacé la course à pied par du vélo, de la natation, du fitness, c'est affreux le fitness. Je sais pas qui a inventé ce truc là, mais c'est quand même incroyablement chiant. Mais je remplace parce que je ne peux pas rien faire. Mais pour l'instant, rien n'est arrivé à la hauteur des émotions procurées par la course à pied. Donc je continue quand même à manger beaucoup, parce que sinon la vie devient... En plus là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a amené du fromage et du vin. Donc merci monsieur, je sais pas, il est quelque part dans... par là, je sais pas. Il est caché. Mais bref, merci pour la personne qui m'a apporté du fromage et du vin ce soir, c'est vraiment gentil. Surtout pour les gens qui vont être dans le train avec moi demain matin. Mais on a l'habitude avec le Saint-Nectaire en Auvergne. C'est pas des pays de... Vous avez d'autres questions? Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Alors en fait, j'aimais tellement lire. Ouais, mais ça, j'aimais tellement ça. C'était... Mais je pense que, comme certains adorent les jeux vidéo ou le sport, moi c'était la lecture. J'étais capable de pas trop manger à table ou de sortir de table plus tôt juste pour terminer un bouquin. Quoi. J'étais happée par la lecture. Et ça m'apportait tellement d'émotions que je me suis dit un peu bêtement au départ, par mimétisme, je me suis dit je vais faire pareil, je vais essayer de faire pareil. Comme un gamin voit voit Neymar faire des jongles et s'inscrit dans un club de foot, moi je me suis dit je vais essayer de faire pareil. Et c'est comme ça que tout a commencé. Après, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que quand j'ai commencé, évidemment, c'était très mauvais, évidemment. Mais après, j'ai été extrêmement bien entourée. C'est-à-dire que j'avais des parents qui me poussaient à écrire, j'avais des professeurs qui corrigeaient ce que je faisais,
qui m'aidait, qui me donnait des conseils. Ensuite, c'est une amie à moi qui a envoyé le premier manuscrit aux éditions de Vietnami. Donc, j'ai toujours été entourée de gens qui ont toujours voulu que ça fonctionne pour moi et qui ont tout fait pour que ça fonctionne. Donc, il y a d'un côté l'écriture qui, au départ, était vraiment un passe-temps, une passion, qui est devenue mon métier. Mais c'est devenu mon métier parce que j'ai été toujours, toujours très entourée. J'ai eu la chance d'être très entourée pour ça. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier poème ? Oui, mais alors mon premier poème, c'était un truc que tous les gamins font, c'était pour la fête des mères. Voilà. Et c'était nul. Là, par contre, je ne l'ai pas gardé en tête parce que c'est vraiment mauvais. Et après, je crois que le poème le plus ancien que j'ai écrit, je devais avoir 13 ou 14 ans, c'était pour l'anniversaire de ma grand-mère. Et elle l'a fait encadrer. Je trouve ça hyper mignon. Et puis voilà, et puis après, j'ai fait au départ, c'était même pas des poèmes, hein, c'était juste des phrases, des punchlines. Un peu comme celle qui est derrière, là, on se remet de tout, mais jamais à l'endroit. Je publiais des petites phrases comme ça, qui n'étaient pas des poèmes, enfin, que moi je considère comme des poèmes, mais qui étaient plutôt considérées comme des punchlines. Et puis petit à petit, je rassemblais celles qui traitaient du même thème, et petit à petit, je me suis mise à faire des poèmes un peu plus longs. Je ne suis pas sûr de très, c'est moi là où, de très bien saisir. Du coup, il n'y a pas de règle vraiment académique dans la poésie. C'est quelque chose qui appartient plus à un élan. Oui, complètement. Ça, c'est de la poésie. Je crois, oui. D'accord, okay. Enfin, en tout cas, pour moi, après, je sais que, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de, entre guillemets, de chapelles avec les gardiens du temple. Non, mais c'est vraiment, enfin, où il y a des, comment dire, il y a des naturalistes, il y a des symbolistes, il y a des ultra-contemporains. Donc, il y a vraiment chacun sa définition formelle. De ce qu'est la poésie ou de comment l'écrire. Moi, j'ai tendance à dire de manière très simple et peut-être un peu bête, de dire qu'à partir du moment où il y a un élan, mais quand je parle d'un élan, c'est un élan vital, c'est quelque chose d'absolument nécessaire, débordant, je considère ça comme de la poésie. C'est pour ça que pour moi, il y a certains textes de rap contemporain qui sont à classer en poésie pour moi. Même si aujourd'hui, c'est la grande question qui divise, moi j'en suis certaine. Parce qu'il y a cette question de l'élan intérieur. Et certains posts Facebook. Et certains posts Facebook, évidemment. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être ? Oui. Votre avenir, vous le voyez comme un long fleuve tranquille ? Vous pensez déjà à la Loire ? En fait, je ne me suis jamais vraiment posé la question de l'avenir. Parce qu'à chaque fois que je me pose la question, je me rends compte des années plus tard que c'est pas du tout ce qui m'arrive, n'est pas ce qui était prévu. Je sais pas, je crois que je m'ennuie pas du tout dans le présent pour penser à l'avenir, donc je me pose pas la question. Il n'y a pas certaines sclérose qui risque. Alors par contre, des fois je me dis qu'est-ce qui se passe si jamais j'arrive plus à écrire, si jamais j'ai une panne d'inspiration. Mais comme pour l'instant j'ai le problème inverse, c'est-à-dire j'ai pas l'angoisse de la page blanche, j'ai l'angoisse de la page noire, parce qu'il y a tellement d'idées, et je me dis j'aurai toujours des idées, mais si jamais j'ai plus d'idées, je pense que cela signifiera pour moi qu'il est temps d'arrêter. Et selon mon état physique, mon état mental et mon état tout court, je verrai ce qui s'offrira à moi à ce moment-là. Mais je pense que je ferai quelque chose qui n'aura rien à voir avec l'écriture. Les marathons. Ouais, des marathons, ou aller élever des vaches en Auvergne, puisqu'on en a plein. Non, mais ils chargent. Si parmi vous, vous voulez faire des reconversions professionnelles, on a besoin de gens pour traire les vaches en Auvergne et pour affiner le fromage. Voilà, non, je. Page publicitaire pour le vin de vache. Donc, non, mais je fais quelque chose qui n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a encore une question ? Ouais, bah, vous imposez un peu une discipline pour arriver à écrire régulièrement ou bien... Alors, non, pas de discipline. Je n'ai pas, comment dire, J'ai pas besoin de me discipliner, j'ai envie de dire. Mais c'est surtout que je me rends compte que c'est tellement vital, pour reprendre le mot que vous avez employé, que mon problème serait plutôt de m'obliger à moins écrire. Parce que si je m'écoutais, ce serait... complètement chronophage. Je ferais que ça. Et j'ai pas envie de faire que ça. J'ai aussi envie de courir et de manger des frites. Donc non, c'est plutôt une discipline inverse pour moi. Ouais. Oui. Quel serait votre conseil pour se lancer, puisqu'on doit écrire un poème pour vous dans une semaine qu'on doit rendre en Ok. Il y a un thème ou pas ? Bon, on doit un peu s'inspirer des contemplations de Victor Hugo. Et pour se lancer, moi personnellement j'aime bien écrire, on avait fait un cours d'écriture. Voilà, et voilà. La poésie, etc. Voilà, c'était super. Mais de se lancer tout d'un coup, d'être
lu par nos profs de français, avoir une note très formelle. Ouais. Quel est le conseil pour se lancer tout d'un coup, parce que... Alors, le conseil que je vais vous donner va vous paraître stupide pour écrire un poème, mais pour moi ça a marché. Vous prenez la phrase, une phrase que vous entendez tous les jours, dite par soit votre père, votre mère, votre frère, à la maison. Ça peut être, je sais pas, mets tes chaussons, range ta chambre. Vous partez de cette phrase-là. Et cette phrase-là, c'est le début de votre poème. Et après, vous écrivez ce que cette phrase vous inspire. Et ça, ça va faire un poème, il va déglinguer votre poème. Je dis pas que vous aurez une bonne note avec ça, vraiment. Mais par contre, en vrai, essayez de faire ça. Une phrase... Si on part du principe que la poésie, c'est de trouver dans chaque élément du quotidien quelque chose de fort, alors ces phrases-là qu'on entend tous les jours et qui deviennent très informelles et peu intéressantes, si vous les reprenez, vous les sortez de leur contexte, vous pouvez faire quelque chose de drôle, de beau, parfois d'attendrissant ou de terrible avec ces phrases-là, et n'hésitez pas à les utiliser. C'est un peu comme j'aimerais vous offrir des frites. C'est exactement comme j'aimerais vous offrir des frites. Oui, faudrait lui envoyer. Mais par exemple, est-ce que quand vous écrivez, quand vous prenez par exemple des exercices ou des choses que les autres écrivains vous conseillent, parce que nous par exemple, justement, on est parti en cours d'écriture, il y a une écrivaine qui est venue et qui nous a dit d'écrire un texte en s'inspirant d'un lieu. Oui. Et en fait, quand on écrivait le lieu, en fait, on voulait présenter une personne à travers le lieu, par exemple une maison, un parc. Et du coup, je voulais savoir si vous aussi, vous faisiez ce genre d'exercice. Alors, moi, je n'ai jamais participé à des ateliers d'écriture. Par contre, j'en donne. Et effectivement, le lieu, c'est quelque chose vers lequel on se tourne très souvent. Il se trouve que moi, tous mes livres partent, enfin, tous mes romans, en tout cas, partent de l'idée qu'un lieu, enfin, de l'image d'un lieu pour ensuite développer toute une histoire. Donc, ça fonctionne chez moi. Après, je ne me suis jamais imposé d'exercice d'écriture. Jamais. Et j'avais des très mauvaises notes. J'ai eu 4 au bac français. Et c'était un sujet d'invention en plus. Ça existe encore le sujet d'invention? Enfin, de rédaction. Rédaction, ouais. Donc ça veut rien dire, les notes. Vraiment, ça ne veut rien dire. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter la rencontre formelle ici. Mais, et continuer. Comme l'a dit Eva tout à l'heure, il y a un verre offert. Donc vous êtes tous les bienvenus et puis on peut continuer d'échanger. Oui, tout à fait. Et puis il y a bien sûr les ronces qui en manquent. Merci beaucoup.